Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 41 de Coin du Blu-ray. Épisode 41, donc, que j'ai encore voulu consacrer à la lettre S, parce que, comme je l'ai évoqué la dernière fois, j'ai beaucoup trop de films dans la lettre S. Et c'est l'occasion, de parler de pas mal de films qui me plaisent, des films qui sont devenus cultes, des objets de cinéma qui sont assez loufoques, parfois assez déjantés. Et c'est un peu le cas du projet dont on va parler aujourd'hui, parce que quand c'est sorti à l'époque, ça a déjà été considéré comme un film culte. Aujourd'hui, pour ma part, on peut facilement le classer parmi les grands classiques de la comédie anglaise, parce que c'est quand même un, pardon du terme, putain de bijou qui est Sacré Graal des Monty Python. C'est juste une tuerie. C'est trop bien. C'est tout ce qui a fait la sève de beaucoup de films comiques sortis dernièrement. C'est ce qui fait la sève de encore beaucoup de films humoristiques qui ont l'occasion de sortir aujourd'hui dans les salles. C'est ce qui fait la sève de tout un cinéma un peu slapstick et un peu comique qui est à la fois ce que j'adore dans la comédie anglaise, mais également ce que j'adore aussi dans le cinéma américain, parce que le cinéma américain s'est beaucoup inspiré de ces comédies anglaises qui sont sorties donc dans les années 70-80 et qui s'amusaient justement des codes de la comédie vraiment décalés et vraiment assez jubilatoires. Et je dois avouer que Monty Python, personnellement, c'est l'une des manières de concevoir la comédie que j'aime le plus. Et Sacré Graal en est la démonstration parfaite. L'histoire, elle est toute simple, c'est la quête du Graal, mais vue par les Monty Python. Avec beaucoup de décalage, avec beaucoup de comédie, avec tout ce qui fait la sève de leurs précédents et futurs métrages, tout ce qui faisait la sève aussi de leur format court, c'est juste génial. Bon, je sais que pour beaucoup, La vie de Brian est le film culte des Monty Python. Je sais que même pour beaucoup, Le sens de la vie, tout simplement, est peut-être l'un des longs métrages les plus drôles et les mieux conçus qui soient en termes de chapitrage, en termes de sketch, en termes de conception de comédie. Mais moi, personnellement, j'ai un grand amour pour Sacré Graal parce que je trouve que, au sein de ce film, la comédie n'a jamais été aussi décalée, aussi jouissive, aussi jubilatoire, aussi déjantée. Enfin, c'est un film vraiment que je trouve cool, du début à la fin. Parce que déjà, c'est hyper bien écrit par les Monty Python. C'est vraiment conçu de telle sorte à ce qu'on s'amuse du début à la fin. Et surtout, au-delà de simplement s'amuser, c'est un film que l'on regarde avec plaisir comme étant avant tout une quête que tout le monde connaît, dont tout le monde a envie de voir la résolution. Mais surtout, et c'est peut-être là la plus grande ingéniosité des Monty Python, c'est une quête qui est décalée. Qui est décalé à un point vraiment de non-retour, c'est-à-dire que tout du long du film, on sait très bien dans quelle direction ça va, on sait très bien la forme que ça prend, on sait très bien les tenants et les aboutissants de l'aventure. Pour autant, on ne cesse d'être surpris par la forme que les Monty Python ont donnée à leur œuvre. Et au-delà de ça, je trouve que la réalisation de Terry Gilliam et Terry Jones, qui étaient vraiment les deux têtes pensantes en termes de cadrage et de mise en scène des œuvres, est vraiment drôle, dans le sens où elle se met au service de la comédie. C'est pas juste une mise en scène qui va appuyer les effets comiques et qui va bien les mettre en relief, c'est vraiment une mise en scène qui reconçoit la manière de jouer avec la comédie, la manière de concevoir un sketch, la manière de jouer justement avec la place des acteurs au sein de celui-ci. Enfin, voilà, je crois que juste la scène de Camelot où les personnages arrivent et tentent de prendre le château, où ils se font balancer à la gueule, je ne sais combien de trucs complètement ahurissants, est pour moi la quintessence même de ce film. C'est-à-dire que constamment, on va se dire: non, ils ne peuvent pas en rajouter. Et ils en rajoutent. On se dit à un moment, c'est bon, on en a vu assez. Et ils en remettent une couche. Et finalement, par beaucoup d'aspects, je pense que les As, donc Zucker, Abraham Zucker, se sont beaucoup servis du travail des Monty Python pour concevoir leur comédie vraiment décalée, où là, pour le coup, c'était quasi de l'absurde. Dans le sens où les sketchs, parfois, avaient une incohérence complète. Et pour autant, en tant que spectateur, on ne se disait pas, ça n'est pas cohérent dans l'œuvre. On laissait notre suspension d'incrédulité prendre le relais et on se disait, c'est quand même foutrement drôle. Et c'est ce qui marchait avec Sacré Graal. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de choses devant lesquelles on reste complètement perplexe, comme par exemple cette scène de chanson, qui personnellement je pense est l'une des scènes de chanson qui m'a fait le plus rire et que j'ai remis en boucle à l'époque où j'ai découvert le métrage parce que réellement je hurlais de rire devant cette chanson. Elle me faisait mal aux zygomatiques, j'avais mal au bide et je me tordais en deux. Mais vraiment, je crois que c'est l'une de mes premières énormes barres d'adulte, Sacré Graal. C'est vraiment un moment où je me suis marré, mais j'en pouvais plus, j'avais mal au ventre, j'avais envie encore de rigoler, d'en voir plus. Et c'est ça qui a fait que derrière, j'ai regardé quasiment tous les films co-réalisés ou réalisés par un ou plusieurs Monty Python, parce que réellement, je me disais, mais je veux retrouver ce rire,
Je veux retrouver ce moment où j'en pouvais plus, où j'étais mal, où je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ça ne s'arrêtait jamais. Et c'est ça, en fait, que j'adorais dans le style de Monty Python et que j'adore dans Sacré Graal. Sacré Graal, il y a des moments où on se dit, mais ils vont s'arrêter quand? Et ils ne s'arrêtent jamais. Même jusqu'à la dernière minute du film, qui est une barre phénoménale parce que réellement, pour le coup, elle joue hyper bien avec le côté décalé de la situation et surtout avec le côté complètement absurde des Monty Python. Enfin, ce film est vraiment à voir. J'espère que je vous ai vraiment donné envie de le voir parce que je vois pas quoi rajouter de plus pour vous donner encore plus envie de le voir. Vraiment, c'est un film devant lequel on rit, mais on rit avec plaisir. C'est à regarder en famille, il y a des vannes mais qui sont complètement absurdes, qui ont influencé tout. Quand je dis influencé tout, je parle pas uniquement du cinéma. Il y a la Sainte Grenade qui a été ensuite piquée par les Worms dans les jeux vidéo. C'est pas possible, ce film a influencé mais tellement de monde, ça en devient ahurissant par moments. Au-delà de ça, en termes de bonus, le DVD et Blu-ray est vraiment hyper bien fourni, c'est à l'édition 40e anniversaire du film. Il y a vraiment tout dessus, il y a des interviews des Monty Python, il y a des concept art autour de la création du projet, il y a les commentaires audio, il y a des docus sur la création du film, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment encore plus prendre de plaisir et vraiment savourer à quel point ce film a marqué mais des générations et continue de le faire. Et vraiment, j'espère qu'il continuera à le faire parce que c'est le genre de film, il ne faut pas le laisser tomber dans l'oubli. C'est un pur bijou de comédie, mais vraiment jubilatoire à savourer. Et vraiment, Monty Python, Sacré Graal, c'est une tuerie. Ainsi s'achève donc cet épisode 41 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires votre film préféré des Monty Python. Un seul Monty Python, ça peut être les films de Terry Gilliam, ça peut être les films de Terry Jones, ça peut être les films de John Cleese, vous me dites. Ou un film avec tous les Monty Python. Dites-le moi dans les commentaires et je lirai ça avec attention. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.